Le MEDES, c'est une course de 13 km avec 22 obstacles, divers et variés. On va avoir des bains de boue, des fils électriques, des bains de glace et des franchissements de murs à 2 mètres environ, voire des échelles à 4 mètres. On imagine vraiment que les gens ont envie de faire autre chose que des courses classiques, hors stade, avec une compétition et un chronométrage particulier. Ici, il y a très peu de chronomètres. Il y a que 5% des gens qui sont chronométrés. Toutes les autres personnes viennent vraiment pour s'amuser, par groupe de 4, pour essayer de franchir tous les obstacles, sans limite de temps. On s'est plutôt bien amusé jusqu'à maintenant, et je pense que la suite va être pas mal aussi. Donc, on va continuer à s'éclater, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Absolument. C'est pas assez boueux, par contre. Non, je pense qu'il manque un peu de boue. Comparé à l'année dernière, c'est un peu plus sec, mais c'est pas mal aussi. Physique, mais en vrai, c'était plaisant, on a pris grand plaisir à le faire, ouais. C'était super. En plus, en équipe, en famille, c'était génial. Voilà. À refaire. À refaire. Il y a la boue, ça glisse beaucoup, c'est assez compliqué, l'équilibre. Et puis ça monte, ça descend, c'est le rythme est assez saccadé. Voilà. Et on avait bu quelques bières hier soir, voilà, c'était ça le plus dur.